une messe en l'honneur du bienheureux Jean-Paul II, une cérémonie décrétée par le Saint-Siège et qui se déroule chaque année à la date du 22 octobre. À Abidjan, l'événement a été commémoré à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Une messe initiée par la Fondation Jean-Paul II École d'Afrique. Elle était présidée par son éminence Bernard Cardinal Agré. Le pape, il était universel. Il voulait un monde nouveau. Le pape actuel a recommencé un monde nouveau où les pauvres aient un bon droit. Depuis 4 ans, la Fondation Jean-Paul II École d'Afrique apporte sa contribution à la consolidation des œuvres d'éducation de l'Église catholique. La foi sans les œuvres est une foi morte. Nos séminaires sont en difficulté. Donc nous pensons qu'aider les séminaires, c'est aussi apporter la bonne nouvelle du Seigneur, puisque un prêtre formé, c'est aussi un messager du Christ qui va vers les autres. Donc c'est notre contribution à l'édification de l'Église de Côte d'Ivoire. C'est le 27 avril 2014 que les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II seront canonisés. Des personnages dont la vie a été marquée par des témoignages de foi.